Merci de nous rejoindre dans ce rendez-vous d'actualité sur la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Voici les sommaires de ce journal. L'Union européenne, au chevet de victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo, ils ont fait le déplacement sur le lieu. Au retour ici à Kinshasa, ses émissaires ont rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. C'est à suivre dans ce journal. Les entreprises publiques de l'État subissent depuis un temps la restructuration profonde pour la maximisation de recettes, de renouvellement des usines de production, bref, une cure de jouvence. L'état des lieux du portefeuille de la République démocratique du Congo depuis l'arrivée du ministre d'État Adel Kaïnda, nous allons vous le proposer dans ce journal. Bon réveil à tous et bienvenue dans ce Matin Actu. D'abord, ouvrons ce journal avec le président de la République. Le vaccin reste le seul moyen efficace pour résister au coronavirus. Rien ne sert de douter. Même le couple présidentiel se fait vacciner à la première dose contre le Covid-19. À cette occasion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé un appel à ses compatriotes congolais à la vaccination massive pour permettre la reprise d'une vie comme avant, sans trop d'interdiction due à la pandémie de coronavirus. Giscard Koussema pour le reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame se sont présentés à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine ce dimanche en fin des journées sur place. Les corps médicaux, renforcés par la présence du ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État chargé de la couverture maladie universelle, avaient pris toutes les dispositions pour assurer une prise en charge efficiente. Comme tout requérant, les chefs de l'État et la première dame se sont conformés au protocole mis en place par les équipes du programme élargi des vaccinations PEV. Tous les signes vitaux étant en situation normale, les présidents de la République et son épouse ont reçu chacun la première molécule du vaccin. Voilà, injection directe. Voilà. Merci. Sur recommandation du médecin, le couple présidentiel a été convié à la salle d'observation pendant un quart d'heure et c'est dès là que le garant de la nation a lancé un appel à ses compatriotes pour les inviter à faire de même. Ma première réaction, physiquement déjà, ça va bien. Donc c'est la preuve que on peut prendre ce vaccin sans qu'il se passe quoi que ce soit. La seconde réaction, c'est de dire que par... cet acte, je confirme ce que j'avais dit il y a quelques semaines à Goma, que le moment venu, j'allais le faire avec mon épouse. Donc, vous voyez que je ne viens pas en cobaye, je viens vraiment en personne sûre que le vaccin protège. C'est vrai que le vaccin, nous devons tous l'avoir, parce que malheureusement, cette pandémie tue. Et moi, j'en sais quelque chose. J'ai perdu des êtres chers, plusieurs. Donc, par cet acte, vraiment, je veux montrer à mes compatriotes qu'il faut vraiment prendre ce vaccin et qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter. Donc là, je suis en attente. Il faut, après avoir pris le vaccin, attendre 15 minutes. Donc, je suis là, j'attends. Jusque-là, ça se passe bien, je suis à 10 minutes déjà, donc pour vous dire. Tout se passe bien, donc je demande à tous nos compatriotes de se mettre à l'abri de cette pandémie et en prenant le vaccin, évidemment. Voilà. Donc mon épouse est là, elle vient aussi, la première dame, elle vient de recevoir le vaccin 5 minutes après moi. Donc elle aura 5 minutes d'attente de plus. Mais sinon, tout va bien. Il n'y a aucun problème et vraiment je demande instamment à tous mes compatriotes de prendre ce vaccin parce qu'il sauve des vies. Par ces gestes, le couple présidentiel a lancé la deuxième phase de vaccination contre la Covid-19 et après une demi-heure d'observation, les présidents de la République et la distinguée première dame n'ont présenté aucun signe d'alerte. Les corps médicaux avaient des bonnes raisons de pousser un ouf de soulagement. Le chef de l'État vient de montrer l'exemple.
parce que je pense qu'il était très attendu, avec raison, parce que c'est lui le garant de la sécurité et du bien-être de tous les Congolais. Et il a pris la mesure depuis très longtemps de cette pandémie. Et rappelez-vous qu'on avait fait venir d'abord un premier lot de vaccins. Et puis là, on vient de recevoir un deuxième lot de vaccins. Et le chef de l'État, comme il avait annoncé, dès lors qu'on recevrait ce lot, il allait se faire vacciner, lui et la première dame. Après une gestion de la pandémie bien maîtrisée, la République démocratique du Congo fait aujourd'hui partie de pays qui ont une solution vaccinale variée. La task force présidentielle annonce l'arrivée imminente d'autres lots de vaccins dans les prochains jours. Le train est lancé parce que là, on a reçu 250 000 doses de Moderna. On va recevoir très, très rapidement, probablement la semaine prochaine, encore 250 000 doses, cette fois-ci de Pfizer. Mais Pfizer, c'est sur un total de plus de 4,5 millions de doses que nous allons recevoir. Mais ensuite, dans un second temps, dans un troisième temps plutôt, on va recevoir de Johnson & Johnson, vous savez, le vaccin à une seule piqûre. Et celui-là, les engagements qui sont pris, c'est pour 26 millions de doses. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis à la disposition de membres du gouvernement, de ses collaborateurs et d'autres personnalités de la République, sa clinique présidentielle pour la vaccination. Dans l'ensemble du pays, des enfants et des jeunes qui avaient adhéré à des groupes armés irréguliers et qui se rétractent seront pris en charge pour une réinsertion dans la vie sociale. Le programme de démobilisation et la réinsertion communautaire et sociale se déploie à travers le pays. Dans la partie Est, par exemple, le DDRCS prend en charge les ex-combattants. Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire, PDDRC a pour, entre autres missions, d'encadrer les rendus et les éléments des groupes armés qui ont choisi la voie de la raison, celle de la paix, en déposant les armes. D'où ce soutien indéfectible au programme DDRCS. Pendant que le pays a pris une bonne boussole pour son développement, l'air n'est plus aux critiques destructives. Il est temps aux Congolaises et Congolais de fédérer les efforts pour que notre pays ne puisse pas manquer les rendez-vous de l'émergence 2030. La restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et sur toute l'étendue du pays étant les souhaits de tout le monde. La coordination nationale des jeunes intercommunautaires de la RDC se range donc derrière le nouveau coordonnateur du PDDRC, Tony Ntambo-Ushindi. La CENJIC RDC est une structure des jeunes congolais, soutient sans condition aucune le coordonnateur national du programme DDRCS et lui souhaite plein succès et fructueux mandat. C'est depuis le 4 juillet 2021 que le président de la République a signé l'ordonnance présidentielle portant création, organisation et fonctionnement du PDDRC. Les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise sont en action dans le Nord Kivu, état de siège oblige. Ils ont mis la main sur un groupe de bandits et voleurs armés. Ils l'ont présenté au public et devant l'autorité compétente avant de leur faire subir la rigueur de la loi. De 9 bandits armés à la presse par le maire de la ville de Beni. Cela résulte des concours de services de sécurité avec la population qui ne cesse de dénoncer les fauteurs à nos troubles, une façon pour les Béniciens d'accompagner l'état de siège. Après une patrouille pédestre couplée des bouclages qu'a conduit le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachalé, président du comité urbain de sécurité, d'autres délinquants ont été arrêtés puis déférés à la justice. Ainsi, le maire policier de Beni, qui ne baisse pas encore les bras, ne dérogera pas à la mission lui confiée par le chef de l'État et met à garde quiconque qui se croit être au-dessus de la loi. Tous des civils, tous des enfants d'ici que vous connaissez, de Moulekera. Donc, je suis en train de corriger tout ce qu'on est en train de dire, que les policiers, les militaires, tout et tout, ce sont eux qui sont en train de voler. Je ne refuse pas. Nous sommes en train de faire des enquêtes. Mais dans un premier temps, je vous présente la première équipe. Alors, nous allons demander à la population de rester calme, de nous laisser le temps. Nous ne dormons pas. Nous sommes en train de travailler jour et nuit.
Et tous ces gens, nous les avons arrêtés. Ils ont fait presque 4 jours chez nous. Et aujourd'hui, nous allons les déférer devant la justice. Donc la population reste calme. Calme et qu'il nous donne le temps. Nous savons qu'il y a des manipulations, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici à Beni. Nous sommes au courant de tout ça. L'ambassadeur de l'Union européenne était chez le président du Sénat, Modeste Baati-Lukwebo, pour échanger autour de plusieurs questions d'intérêt national. Le détail avec Sandra Nyanki. L'Union européenne est prête à accompagner le gouvernement dans le processus de pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Son représentant l'a dit au président du Sénat lors d'une audience lui accordée par ce dernier ce lundi dans son cabinet de travail. Jean-Marc Châtaignier a par ailleurs annoncé la tenue d'un dialogue qui sera organisé par l'Union européenne à la fin du mois de septembre en cours. Vous savez, ce processus de dialogue politique est inclusif, il ne comprend pas uniquement, enfin, il va au-delà du gouvernement, il inclut les institutions parlementaires comme le Sénat, l'Assemblée nationale, il inclut aussi la société civile. Donc c'était pour moi un message important à porter au président du Sénat. Et puis ensuite, bien sûr, nous avons abordé des sujets de fond qui sont pour nous importants, pour lesquels nous pensons que l'Union européenne peut apporter un accompagnement à la République démocratique du Congo, qui sont d'une part l'appui au retour à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, l'accompagnement que nous pourrions apporter en discussion, bien sûr, avec nos partenaires congolais sur le processus qu'on appelle DDRCS, nous assurer que, effectivement, il y a une porte de sortie qui soit là pour les anciens combattants. Et puis nous avons parlé aussi du processus électoral et de l'accompagnement que l'Union européenne pourrait faire par rapport à celui-ci. Selon l'hôte de Modeste Baati-Lukwebo, la rencontre mettra autour d'une même table tous les Congolais de toutes tendances confondues et l'Union européenne. Les questions politiques, économiques et sociales seront évoquées. Cette même délégation de l'Union européenne conduite par Jean-Marc Châtaignier a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé après une mission de soutien et de réconfort aux victimes de l'éruption du volcan de Niragongo à Goma, nous dit Patsy Tondon. Solidarité de l'Union africaine à la République démocratique du Congo, la délégation à l'issue de sa visite humanitaire au sinistré de Goma dans le Nord Kivu, victime de l'éruption du mont Niragongo, a rencontré ce lundi 13 septembre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge. Il était question de faire le point de sa visite dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons pu le voir aussi ce site, le sinistré, nous avons la possibilité de rencontrer les enfants de Goma. Et aussi, nous avons informé Son Excellence le Premier ministre que notre visite rentre dans un cadre de solidarité et soutien avec le gouvernement et le peuple. Nous avons exprimé notre satisfaction de notre visite et remerciement pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à notre délégation depuis notre arrivée jusqu'à la fin de notre programme, vraiment constructif. La délégation de la Mine Bali était conduite à la primature par le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adubango, qui a réceptionné la semaine dernière le chèque de l'Union africaine pour le soutien humanitaire des sinistrés de Goma, un geste louable dans le cadre de la solidarité régionale. Je l'ai dit au sommaire, la ministre d'État en charge du portefeuille a fait l'état des lieux de son secteur 137 jours après son élévation à la tête de ce ministère. Les entreprises publiques subissent une cure de jouvence, une restructuration profonde et les nominations de nouveaux mandataires en vue. Adèle Kaïnda est revenue sur plusieurs autres sujets au cours d'une conférence de presse. Angèle Mabiala nous en parle. Depuis sa nomination à la tête du ministère du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna a pris le temps d'étudier minutieusement la situation des entreprises publiques de manière à connaître les difficultés auxquelles elles sont confrontées et proposer au gouvernement les voies et moyens de les réhabiliter. À travers les états des lieux des entreprises publiques initiées par le chef de l'État et réalisées grâce à l'expertise du comité de pilotage des entreprises du portefeuille, en sigle COPIREP, ce travail a pratiquement pris 2 mois et permis de connaître les tristes réalités qui se résument comme suit. Outils de production insuffisants, obsolètes et souvent totalement amortis et dépassés. Effectifs vieillissants, pléthoriques
et en inadéquation avec les niveaux d'activité. Charge sociale lourde. Grâce à la revue du portefeuille réalisée, un diagnostic sévère a été fait pour matérialiser la relance des entreprises encore viables. 137 jours durant, son ministère a fourni de gros efforts pour la relance des activités et la matérialisation de la vision du chef de l'État qui met l'homme au centre de tout, le peuple d'abord. Je reste encore très optimiste parce que la mission, nous comme guerrières, que nous puissions arriver à faire sortir ces entreprises du bourbier. Pour le numéro 1 du portefeuille, les efforts fournis vont favoriser un apport efficient du portefeuille au budget de la République démocratique du Congo. La minière de Bakwanga est en train de refaire peu à peu le beau vieux temps grâce à l'implication du gouvernement central et des autres partenaires. Le cas le plus récent est celui de dons de 3000 tonnes de maïs, dons de maman Marthe Kassala, mère du président de la République et épouse du feu Étienne Tshisekedi, réceptionnée par les autorités de la MIBA en Mbujimayi. La MIBA a également procédé à la paye de 100 personnels sur financement du gouvernement central. Robert Ndaye pour le reportage. Face aux opérateurs miniers industriels, semi-industriels et artisanaux, les membres de la société civile ainsi que ceux de la Fédération des entreprises du Congo à Kolwezi, la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambay a insisté sur un point, le respect du code et règlement minier. D'autres sujets, et non le moindre, se sont invités, notamment la problématique de l'exploitation artisanale, les taxes illégales ainsi que des obligations sociétales par rapport aux 15% de redevances minières allouées aux entités territoriales décentralisées et 0,3% des dotations pour les communautés locales. Déplore la multitude des taxes payées, une situation qui, selon eux, ne favorise pas l'amélioration du climat des affaires. Évoquant le sujet lié au fonds minier, pour les générations futures, les numéros 1 de mine rassurent que bientôt les animateurs seront nommés pour gérer ces fonds. La ministre a aussi pris part aux travaux de l'atelier ITIE RDC, lancé par le ministre d'État en charge du plan et président exécutif du comité d'ITIE RDC, Christian Mwandon Simba. Ces assises se sont focalisées sur la dissémination du rapport ITIE RDC. Soucieux de la situation que traverse la population environnante du site d'exploitation Mutanda Mining dans le Lualaba, Antoinette Samba s'est assurée du volet social de l'exploitation au profit des communautés locales. Nous sommes allés vite en besogne, c'était plutôt le séjour de la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambay qui interpellait les opérateurs miniers sur l'application de taxes légales et les responsabilités sociétales. Revenons à présent sur ce reportage de la MIBA. Plus de 3 tonnes de maïs, dont de Maman Marthe Kassalou, mère du président de la République, réceptionnée par les autorités de cette entreprise. La MIBA a également procédé à la paye de ses agents E4. Symbolique et pleine de signification, car il vient d'une mère au cœur sensible et généreux. Les cris de détresse du personnel de la société minière de Bakwanga, portés par son directeur général Paul Eloukou Samoudiaï, sont arrivés aux oreilles de Maman Marthe Kassalou, mère biologique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de 3000 tonnes de sacs de maïs remis au personnel de la MIBA, Maman Marthe Kassalou a consenti à céder une grande quantité du maïs récolté dans sa ferme pour soulager tant soit peu la misère de ses fils et filles de la société minière de Bakwanga. Le personnel de la MIBA en effervescence à l'arrivée de ce don salue ce geste d'amour de Maman Marthe Kassalou, une femme influente en République démocratique du Congo. La MIBA qui continue sa marche vers sa relance vient de bénéficier encore une fois du gouvernement de la République $1 million qui a permis de procéder une fois de plus à la paye de son personnel. Des efforts du comité Paulin Lukusa
pour le recouvrement de la créance MIBA sont les fruits des longues démarches entreprises auprès du gouvernement de la République. Depuis la mise à disposition de 5 millions de dollars américains en 2020, la MIBA a assuré sa production qui s'élève à ce jour à 167 000 carats de diamants déjà extraits. Le déblocage régulier de la créance permettra à la MIBA non seulement d'assurer la paix sociale, mais aussi garantir les investissements et les fonds de roulement. Les actions qui montrent la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de relancer les activités de production de diamants à la société minière de Bakwanga. Quittons le Kasaï oriental pour le Haut-Katanga où se poursuit les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire pour le troisième jour. Ils se sont appesantis sur le système licence master doctorat LMD, les questions financières, les ressources humaines, matérielles et le besoin en infrastructures sont des sujets analysés pour la réussite de ces systèmes en République démocratique du Congo. Edi Tchala pour le commentaire. Considéré comme l'un des objectifs majeurs de ces assises des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, la problématique de la mise en œuvre du système licence master doctorat LMD a été présentée par quatre experts à l'assistance en présence du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Muindo Nzangi. La plaie a été touchée au vif à ces états généraux. Le système licence master doctorat LMD aborder dans toutes ses exigences les ressources humaines, financières qu'il requiert, Muindo Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, sa foi, commencer d'abord et s'interroger chemin faisant. Les peu de moyens que nous avons, mais aussi bien que ça, on a tapé la Banque mondiale, nous allons faire notre LMD. Nous allons faire notre LMD avec les moyens, nous allons démarrer avec les moyens et nous allons nous améliorer. Le ministre a aussi rappelé à l'assistance qu'il examine l'adoption de la loi relative à la réforme du système d'enseignement supérieur universitaire avait pris 2 ans à l'Assemblée nationale. Cette loi est la résultante d'un compromis national. Nous devons réfléchir sur comment y aller sans casse. Car le constat de la faiblesse de notre système d'enseignement actuel est unanime. Pendant ce temps ici à Kinshasa, les étudiants des différentes universités de la capitale ont pris part à une conférence de bas sur la médecine des catastrophes tenue à l'université Simon Kimbangu. Elle a permis aux participants de recevoir des connaissances pragmatiques sur le geste qui sauve des vies humaines et les techniques de réanimation d'une personne en cas d'une crise cardiaque. Luxon Kabbala pour le reportage. Les gestes simples qui sauvent des vies humaines. Ce thème a fait l'objet de la conférence organisée par la coordination étudiantine de l'université Simon Kimbangu. Les participants à cette conférence, en majorité des étudiants de cette alma mater, ont enrichi leurs connaissances pratiques sur les techniques de réanimation des patients en cas d'une crise cardiaque. L'orateur, le chef des travaux Benjamin Kabwe Mulambwe, de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa, a expliqué le concept de la médecine des catastrophes, qui est une branche de la médecine qui s'occupe des catastrophes d'ordre naturel. Quand il s'agit des catastrophes, c'est l'État. Nous avons vécu ensemble ce qui s'est passé à Goma. C'est l'État qui a demandé à la population de se déplacer. C'est l'État qui est en train de construire les habitations. L'État est incontournable. Occasion pour ces étudiants d'apprécier à juste titre la pertinence de cette conférence. Au cours de cette conférence, nous avons appris que lorsqu'il y a un arrêt cardio-respiratoire, le délai maximal pour pouvoir sauver la vie de la personne est de l'ordre de 5 minutes, puisque au-delà de ça, il y a déjà des lésions cérébrales et la mort sera bel et bien assurée. Ces éventualités peuvent arriver à tout le pays, riche ou pauvre. Le mieux, c'est de se préparer en conséquence. 4 millions de dollars américains, c'est le montant du financement de la reconstruction du dépôt central pharmaceutique de Kinshasa. 10 ans après l'incendie qui avait tout ravagé, le ministre de la Santé publique a procédé à la pose de la première pierre de construction d'un nouveau dépôt. Reportage Robert Ndaye.
de la première pierre pour la construction d'un entrepôt moderne pour le stockage et la distribution des médicaments à travers le pays après l'incendie de 2011 vient répondre aux soucis du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de doter le pays d'une plateforme dite WIB répondant aux normes internationales. L'événement de ce 13 septembre 2021 marque l'aboutissement des efforts inlassables de plaidoyer du gouvernement de la République auprès des partenaires internationaux. C'est le ministre de la Santé publique qui a procédé à la pose de cette première pierre. Je cite donc la construction du warehouse inbox moderne qui permettra d'augmenter et améliorer les capacités ainsi les conditions de stockage au niveau central pour les médicaments et tous les autres produits de santé. Financé à la hauteur de plus de 4 millions de dollars américains par l'USAID et le Fonds mondial, représenté par Cordéhead et Kimonisk, ces travaux sont exécutés par la société de construction, montage et dépannage SMD. Les descriptions techniques ont été données par le directeur général de cette entreprise, dont la fin des travaux est prévue en avril 2022. Conception de sa structure a suivi le même principe avec le béton armé dans son infrastructure. Et il y a aussi le métallique dans sa superstructure. Et ce projet répond effectivement à sa mission intrinsèque d'une source d'eau où l'homme s'y rend pour se désaltérer. Bien avant, des allocutions ont été prononcées. Le directeur du programme national d'approvisionnement en médicaments est revenu sur les causes de l'incendie de 2011 et les démarches entreprises pour obtenir ces financements. Madame Patricia Dutrio, qui, au nom du représentant de l'USAID, a salué l'excellence des relations dans le domaine de la santé avec la République démocratique du Congo. Une visite guidée du chantier a permis de se faire une idée de ces grands bijoux pour le bien-être de la population congolaise. Un autre événement, c'est la visite des bâtiments en construction du laboratoire pharmaceutique de Kinshasa. Le ministre de la Santé publique, Dr Jean-Jacques Bongani, a félicité le personnel médical pour la qualité du travail. C'est par la signature du livre d'or que la cérémonie a pris fin et marque désormais un pas vers la reconstruction dans le domaine de la santé. Séoul, capitale de la Corée du Sud, abrite le 7e rassemblement pour l'espoir. Plusieurs dirigeants du gouvernement du monde ont exprimé leur désir de revoir la paix dans le monde et dans la péninsule coréenne. Plus d'un million de participants ont assisté par vidéoconférence à ces assises internationales de la paix. Alain Bikay nous en parle. Cette messe internationale pour la paix a connu la participation de l'ancien président américain Donald Trump, de l'ancien président de la Commission de l'Union européenne José Manuel Barroso et tant d'autres leaders du monde politique. Le 45e président des États-Unis d'Amérique a fait remarquer à l'assistance que son pays a un rôle majeur à jouer dans l'établissement d'une paix durable en Corée du Sud et dans le monde. Je suis fier d'avoir créé une nouvelle voie par laquelle les divisions et les difficultés du passé pourraient un jour être guéries à un niveau que personne n'aurait cru, a renchéri Donald Trump. Selon lui, après la pandémie de la COVID-19 qui a ravagé l'humanité, le monde doit privilégier la coopération diplomatique au lieu de multiplier des conflits, surtout à ne pas renouveler les hostilités. L'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a invité les Coréens à trouver un moyen spécifique propre à la Corée pour parvenir à la paix et à la réconciliation. La cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Ak-Jak-Ak-Moon, est revenue sur les perspectives de paix dans la péninsule coréenne qui sont excellentes avant d'appeler les dirigeants des deux pays à accepter la volonté divine. Ces mêmes appels d'espoir lors de cette rencontre axée sur les possibilités de réconciliation et de coopération dans la péninsule coréenne a été lancé par les intervenants au cours de ces assises organisées par la Fédération universelle pour la paix. Les efforts et l'engagement de Dr Ak-Jak-Moon pour la paix ont été salués par les participants à ces assises en ligne.
Et puis, cette mise en œuvre depuis 2016 dans l'objectif d'augmenter par la mécanisation agricole la production vivrière, le programme volontariste agricole n'a pas atteint ses objectifs. Le constat a été fait par le conseiller principal du chef de l'État au Collège de la planification agriculture, pêche et élevage, Ambroise Kazambou, lors d'une mission de suivi et évaluation dans ces 5 bases agricoles du pays. Reportage Guilain Kabalonji. La revanche du sol sur le sous-sol, tel que le souhaite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, passe notamment par le développement du secteur agricole. Des programmes élaborés et mis en œuvre pour booster ce secteur existent et sont en cours d'exécution sans que la situation ne change. C'est dans ce contexte que le conseil principal du chef de l'État au Collège de la planification, agriculture, pêche et élevage a été dépêché en mission de suivi et évaluation du programme volontariste agricole PV en sigle dans les provinces concernées. Sur les 6 sites agricoles à travers le pays, 5 ont été visités par Ambroise Kazambou Moukinaï. Après la présentation des civilités à Madame le gouverneur intérimaire du Kassai Oriental, le conseil principal du chef de l'État Ambroise Kazambou s'est immédiatement rendu en Kwadi, dans le territoire de Tshilenge. Le principal constat, c'est le taux de réalisation très faible du programme PVA. Autre site visité, c'est celui de Sakadi, dans le Olomami. Le conseil principal a évalué les équipements que le prestataire BEM a fournis au gestionnaire BAB pour les travaux de l'agriculture. Tracteurs, moissonneuses et plusieurs autres engins ont été trouvés sur place. Quant à l'usine de transformation des produits agricoles, elle est en cours de construction. À Lubondai, dans le Kassai central par contre, sur les 2500 hectares prévus pour le développement agricole, aucun hectare n'a été emblavé en dépit de la forte présence des tracteurs. Sur le site d'Nkoudi, dans le Congo central, la réalité est quasi la même. Ajoutez à cela l'absence d'une usine de transformation des produits agricoles. Seule la base agricole de Mongata, Maluku, dans la ville-province de Kinshasa, dispose d'une usine déjà construite. Le bémol, c'est que la production n'est pas encore en récolte. Mise en œuvre pour 5 ans, soit de 2016 à 2021, ce programme PVA qui a pour objectif d'augmenter par la mécanisation agricole la production vivrière en vue d'impacter positivement sur le prix des produits de base sur le marché, n'a pas, en croire le conseil principal du chef de l'État, atteint ses objectifs et le taux de réalisation n'est que à 41,9%. Ambroise Kazambou Moukinaï suggère en définitive le recadrage pur et simple de ce programme avec à la clé le renforcement des structures de contrôle et de gestion pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Faisant d'une pierre deux coups, le conseil principal, accompagné de la gouverneure intérimaire du Kassai Oriental, a visité à Tshilenge le domaine agro-industriel présidentiel de la Ntsele Daipen. C'est donc par cet élément que nous terminons ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Au nom de Papi Mvouele, Émile Zola et Patrick Bapuila, qui ont réalisé ce journal, nous vous y disons merci de nous avoir suivis. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.